dire que nous avons commencé avec un puits qu'on a creusé et on n'a pas eu l'eau. Et avec l'aide du comité de jumelage, on a soumis et ils nous ont fait un forage. Donc c'est avec ce forage-là qu'on puisait, on se servait pour faire le moringa. Donc on a produit la première année, on a même vendu lors d'une fois. Et au mois de la saison sieste, on fait avec du gombo. Voilà, et puis bon, quelques coccins, comment on les appelle. Voilà, donc c'est après maintenant, quand M. Bossoli sont venus à la mairie en 2021, ils ont présenté le projet, donc on les a approchés. Puis après, on a un jardin nutritif, mais bon, après, on a puisé avec les réservoirs, bon, c'était un peu pénible. Donc, ils ont jugé bon de nous accompagner. Donc, ils sont venus, ils ont transformé notre forage en chose. Ils ont mis un parc solaire, ils ont mis un château, à une bonne fontaine, et ils ont construit trois bassins à l'intérieur. Ça vous dit que bon, le site même était à 0,115. C'était 0,115 hectares. Maintenant, bon, ils ont nous aidé à grandir, on a atteint 1 hectare. Voilà. Donc, bon, vraiment, depuis qu'on a eu ça, en tout cas, c'était facile. Il fallait remplir demain les bassins, ouvrir et puis arroser les plants. Et si pour la viticulture, c'était vraiment. Ça nous a beaucoup apporté. Bon, malheureusement, comme vous le savez, la situation sécuritaire a fait que. Bon, on n'a pas pu aller jusqu'au bout. Tellement, bon, le site est là, mais bon, l'exploitation est un peu. Voilà, on peut dire que les choses s'arrachent. Bon, là, c'est. Voilà. Mais en tout cas, le jardin est là.